Madame, monsieur, bonsoir. 70 films en 30 ans de carrière. Catherine Deneuve, notre invitée de ce soir, eh bien, nous offre une composition magistrale dans le nouveau film de Régis Varnier et Indochine. Catherine Deneuve, je l'ai rencontrée il y a 12 ans pour l'immense succès que fut Le Dernier Métro, qui lui valut d'ailleurs le César de la meilleure actrice. Et je lui avais posé une question, la suivante, et écoutez sa réponse. Je vais vous poser la question directement et sans précaution. Quand on regarde l'image que les gens ont de vous en ce moment, là, Deneuve, superbe, hein, superbe. Oui. Merci. Non, non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Et puis l'image dans le film de Truffaut, on sent tout à coup que Catherine Deneuve est passée ou va passer de... Compliqué pour ma tâche, la question est vraiment difficile. Quand je pose cette question aux actrices, je prends généralement une demi-heure. Non, on sent que Catherine Deneuve, de jeune première, etc., va passer au rôle de femme. Donc, il y a peut-être un virage qui s'amorce dans quelques années. Ah bon? Bah, dans quelques années, bah, j'ai le temps. Oui. Mais c'est ouais. Pas pour ce soir la réponse, alors. On se reverra dans quelques temps. Eh bien, Catherine Deneuve, bonsoir. Nous nous retrouvons quand je parlais d'aborder les femmes mûres. Ça y est, cette fois, on est dedans avec Indochine, oui. Dont on va abondamment parler en deuxième partie. Alors, c'est vrai que je dis que vous aimez surprendre dans oui. Chaque nouveau rôle. J'aime surtout me surprendre, franchement. Et je dirais que c'est vraiment ce qui... c'est une des raisons, enfin, des motivations principales... dans ma lecture, enfin, des choses que je cherche avant tout, c'est de trouver quelque chose qui me surprenne par rapport à moi-même. Parce que ce n'est pas tellement de surprendre les gens, car le résultat final n'appartient pas qu'aux acteurs. On sait très bien qu'on peut avoir un très beau rôle et puis finalement se retrouver dans un film qui n'a pas exactement, je veux dire, la dimension que l'on souhaitait. Donc le rôle, ce n'est pas suffisant. Donc je cherche vraiment quelque chose dans les scénarios, je cherche avant tout dans la lecture, quelque chose d'original pour me surprendre moi. Et vous vous apercevez que vous vous surprenez au moment de la prise ou simplement après sur l'écran? Franchement, je n'arrive pas toujours à me surprendre quand je tourne. Je dirais que c'est plutôt sur le choix de départ et puis après à l'arrivée quand le film est fait. Non, au tournage même, non, je ne peux pas dire que je me surprenne puisque c'est des choses que je fais. Alors même s'il y a des choses que je fais qui sont incontrôlées, enfin j'espère qu'il y a des choses incontrôlées parce que... On dit qu'on contrôle tellement au cinéma, mais c'est vrai que, par exemple, pour parler d'Indochine, qui est un film quand même qui est beaucoup basé sur l'émotion, sur l'émotion en général, puisque c'est un film quand même très romanesque, on pourrait même dire un mélo, ce qui, enfin, dans ma bouche, n'est pas un mot péjoratif, j'adore les mélos. C'est la gloire du cinéma. Oui, c'est une histoire quand même romanesque, ce sont avant tout des personnages qui s'aiment, des personnages qui se quittent, des personnages qui se perdent, des personnages qui se retrouvent. Donc, ce sont des scènes assez douloureuses. Et donc, comme il y a beaucoup d'émotions, c'est vrai que ce sont des choses qui vous échappent totalement au cinéma quand on tourne. Nous allons parler beaucoup d'Indochine. Toute la deuxième partie de cette édition de Spécial Cinéma qui vous est consacrée nous permettra d'aborder ce film auquel vous tenez beaucoup d'ailleurs. Le film de la soirée que nous avons choisi, c'est Fréquence Meurtre. C'est un film que vous avez tourné avec... C'est un premier film. C'est un premier film. Le film d'Elisabeth Rapneau, qui est la sœur de Jean-Paul Rapneau, que je connaissais bien, qui avec était... Qui c'est un de vos réalisateurs que vous aimez beaucoup. Ah oui, beaucoup, oui. Oui, oui. Beaucoup. Et c'est un film policier, c'est une histoire assez étonnante, un film que j'ai tourné avec André Dussolier, oui. Oui. Un film policier. Oui, avec alors comme vous avez un rôle de psychiatre, oui. Et ça tombait bien parce que votre rôle vous permet d'être à l'écoute des problèmes des gens. Et oui, hélas. Vous êtes très à l'écoute des autres et du monde en général dans lequel vous vivez. Oui, enfin disons, les acteurs sont quand même souvent plus égoïstes que d'autres parce que c'est vrai que quand on tourne et quand on se mobilise sur les films, on est avant tout dans ce que l'on fait et c'est vrai que nous sommes... des gens qui parlent beaucoup de ce que nous faisons, parce que c'est vrai que ça c'est tellement court dans le temps, le tournage d'un film, par rapport au temps où on attend, où on prépare des choses, le temps de tournage est tellement court, et là, c'est 2 mois sur des fois des mois de préparation et d'attente surtout. Donc, oui, je suis un peu à l'écoute du monde, j'espère en tous les cas, mais pas autant que je le souhaiterais, parce que je suis comme tout le monde, j'essaye quand même de me recentrer, d'essayer de garder quand même... mon énergie pour les choses que je fais au moment où je les fais. Mais c'est vrai que je suis assez attentive, je crois quand même, oui, aux autres, et que, comme beaucoup d'acteurs, encore une fois aussi, je suis assez observatrice, donc j'aime bien regarder les gens, les observer, les écouter, ça m'intéresse, oui, je suis curieuse. On a fait allusion à Rapneau tout à l'heure, une toute petite parenthèse. Moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup vous revoir dans une comédie. Oui, moi aussi. Oui, on est deux alors. J'aimerais pas tellement me voir dans une comédie, mais j'aimerais bien me retrouver dans une situation de comédie et tourner une comédie, oui. Mais malheureusement, c'est très difficile pour les femmes.
c'est très difficile pour les femmes au cinéma parce qu'il y a soit des rôles pour des femmes, pour des rôles comiques, mais vraiment ce qu'on appelle des comédies, c'est beaucoup plus difficile. Alors Jean-Paul Rapneau était évidemment quelqu'un qui était très très doué pour les... Je dis était, il l'est sans doute toujours, mais sa direction par rapport à ses films aujourd'hui, et je crois surtout depuis Cyrano, va dans une autre voie pour l'instant. Il n'y a pas tellement de réalisateurs pour les femmes, pour les comédies. Ne dites pas quand même que... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Qu'on n'écrit pas pour vous. Ah si, on écrit pour moi, mais je dis les comédies, c'est un genre difficile de toute façon aujourd'hui, un genre plus difficile pour les femmes si on n'est pas véritablement comique. Et d'ailleurs, vous voyez que les femmes comiques, en général, elles font plutôt de la scène maintenant, que ce soit oui. Valérie Lemercier ou que ce soit... Sylvie Joly ou que ce soit Muriel Robin, ce sont des femmes qui ne trouvent que dans la scène, dans les sketchs, des choses assez, assez fortes et assez drôles. Au cinéma, c'est plus dur. Enfin, Valérie Mercier, elle fait du cinéma quand même. Moi, je l'ai vue au cinéma. J'adore cette actrice. Ah, moi aussi, on est comme deux. Ah oui, je la trouve. Je trouve que c'est vraiment. C'est une actrice comique, mais c'est vraiment une comédienne en plus. Ben, tiens, puisqu'on est sur la liste, c'est que vous aimez bien aussi la petite. Je dis la petite, c'est pas péjoratif, parce que je l'aime bien. La petite. Non, la petite Sandrine Bonnaire. Ah oui, justement, vous dire la grande Sandrine Bonnaire. La grande Sandrine Bonnaire. Oui, je suis d'accord. Oui. Ah oui, je l'aime beaucoup. Oui. Nous allons consacrer toute cette deuxième partie à un film auquel Catherine Deneuve tient beaucoup, qui est Indochine. Catherine Deneuve, 70 films en 30 ans, je disais ça, c'est des chiffres. C'est une belle vitesse de carrière. Moi, j'ai souvenir d'une jeune fille extrêmement timide qui était presque comme une ombre, et c'est loin, loin, loin. C'était à Villard-de-Lans, et c'était le tournage de La Bride sur le coup. Ah oui, en effet, oui, hein? Ça c'est on vraiment... On se fait une remontée, là. Alors là, oui, c'est même plus une remontée dans les souvenirs de cinéma, c'est une remontée dans le temps. J'étais vraiment adolescente, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, alors je regarde quand même, je sais bien que c'est un peu bateau, mais quand même Demi, Truffaut, Rapneau, Polanski, Buñuel. J'imagine, quand on est désiré par des gens de ce talent pour être devant leur caméra, On se sent aimé, c'est très stimulant. C'est à la fois un challenge plus grand. Mais c'est très stimulant, puis ce sont des gens qui sont de vrais cinéastes, ce sont des auteurs, donc des gens qui écrivent pour vous, comme André Téchiné aussi. Que vous aimez donc beaucoup. Que j'aime beaucoup, oui, que je vais retrouver bientôt. Ça donne à la fois beaucoup d'envie, beaucoup de force. C'est plus difficile d'une certaine façon, mais ce sont des paris plus intéressants, oui. Vous n'êtes pas blasé, par exemple, quand un jeune metteur en scène vous choisit, le fait d'être choisi, même si on est célèbre déjà, c'est formidable. Non, je suis plus blasé au niveau, disons, après les films. Quand je dois parler des films, si on me pose des questions que je trouve ou trop banales ou que j'ai l'impression qu'on me pose toujours les mêmes questions sur les mêmes choses, ça, oui, c'est plus difficile. Mais vous me le dites, en ce qui concerne, si jamais il y en arrive une, vous vous gênez pas. Ben, je répondrai pas, peut-être. Voilà, ah c'est bon, tout. Ben, ce sera marrant, ça. Non, mais au niveau des cinéastes, non, je peux pas être blasée quand un jeune cinéaste m'envoie un scénario, même s'il n'est pas totalement achevé, même si je trouve qu'il y a des défauts. Je trouve ça toujours intéressant, oui. Bon. Alors l'instantané, l'image dont on n'est jamais maître, parce que qu'on fasse du cinéma ou de la télévision, on n'est jamais maître de l'image qu'on dégage pour l'extérieur. De la presse écrite ou qu'on fasse jamais. On peut pas. Il n'y a qu'à la radio qu'on est vraiment maître de ce que l'on fait, parce que c'est la voix, c'est ce que l'on dit, il n'y a que ça, et donc on est là, c'est un contrôle absolu. Alors j'ai relevé une déclaration de vous que je trouve que j'ai peut-être faite, hein, c'est pas sûr, je sais pas vous l'avez relevé, donc je reste sur mes réserves là. Mais on joue franc jeu, si c'est pas vrai. Ah non, dites... mais je corrigerai éventuellement. Absolument. Je vous dirai. Vous dites être belle. Citez-moi vos sources. Vous avez plus. J'ai plein de sources, j'ai lu des tas de choses. Ah bon, celle-là, d'accord. Oui, vous la connaissez pas particulièrement celle-là. C'est l'interrogatoire. Ah non, mais vous savez comme malheureusement j'ai souvent, c'est ça le problème de la presse écrite, c'est que c'est des choses que l'on dit, mais souvent ce sont des choses qui sont plus sortis de leur contexte et surtout qui ont été condensés par rapport à un entretien qu'on a fait. Alors, on parle une heure, on retrouve un entretien d'un quart d'heure, c'est... Mais je vous écoute, pardon. Ah bien. Alors, vous déclarez « Être belle peut entraîner la paresse. J'ai eu des années de belle au bois dormant. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Ah ben, j'ai du pot, là. Qu'est-ce qui vous a réveillé ? Jacques Demy. Jacques Demy, quand il m'a choisi... parce qu'il n'y a pas d'autre terme, quand il m'a envoyé une invitation pour aller voir Lola, qui allait sortir, qui était son premier long-métrage, et que j'ai rencontré Jacques Demy, qui il a dit qu'il aimerait faire un film avec moi. Il m'avait vu dans un film qui s'appelait L'homme à femme, que j'avais tourné avec Mel Ferrer, et en me voyant, il avait eu envie de me proposer ce film sur lequel il travaillait déjà dans le principe, qui était Les parapluies de Cherbourg. Oui. Et il s'est passé plus d'un an entre le moment où il m'en a parlé, notre rencontre, et un an et demi s'est passé. Alors, toute la période belle au bois dormant C'est mon adolescence, c'est la façon à la fois de vivre avec ses sœurs, de voir sa sœur faire du cinéma et du théâtre,
de faire des études sans passion, d'aimer regarder les autres, d'être un peu romanesque, un peu romantique, un peu rêveuse et un peu paresseuse. Mais je trouve qu'on a le droit d'être paresseux jusqu'à 20 ans, franchement. Bon, 20 ans, c'est la limite. Non, c'est pas la limite. C'est ce que vous avez dit à vos enfants, jusqu'à 20 ans, ça va. Après, non, j'ai pas dit ça, j'étais sans doute plus exigeante avec mon fils, mais je trouve qu'on a, jusqu'à un certain âge, on a le droit de rêver, d'être paresseux, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire des projets, de ne pas éventuellement les réaliser, d'avoir des souhaits, d'envisager de faire beaucoup de choses, parce que je trouve qu'il faut tout le temps maintenant, on vous demande de vous décider de choisir sur plein de choses, très vite, trop jeune. Il faut avoir des idées sur plein de choses qui entraînent votre, soi-disant, enfin, ce qu'on appelle en général la carrière, ou en tous les cas, votre destin de vie professionnel, social, je trouve ça très très grave. Donc je trouve que rester rêveur, jusqu'à 20 ans, je trouve qu'on a le droit, oui, on a le droit de prolonger ses études. Je trouve que c'est pas très grave de faire ses études plus longtemps et d'être encore un jeune homme ou une jeune fille attardée à 23, 24 ans. C'est pas grave, parce que tout ce qui en découle derrière est tellement plus important. Faut pas avoir de regrets, faut pas se tromper. Alors, est-ce que vous pensez que la beauté peut être une imposture? Et je fais allusion à une phrase magnifique dans Indochine, qui est dite, je crois, par Dominique Blanc, magnifique comédienne. Magnifique, saluons au passage. Elle est formidable. Formidable. C'était un long plan séquence qui est absolument formidable. Et elle dit, c'est pas beau d'être aussi beau quand on n'a pas de beauté. Oui, alors ça, c'est Eric Orsenna. Eric Orsenna qui a écrit ça, qui a jubilé à l'idée d'écrire ça pour moi, parce qu'il trouvait que c'était formidable de prêter à Dominique Blanc, qui est dans un état de colère, déjà qui ne m'aime pas, parce que je suis le genre de femme qui ne lui plaît pas. D'abord parce que c'est une femme qui est une bourgeoise, quand même, assez coquette et tout, et que son mari est contremaître dans l'usine, que c'est moi qui dirige, que je suis une femme, donc déjà elle trouve ça normal qu'une femme dirige un homme, sans doute. Et puis elle ne doit pas aimer le genre de femme que je suis, donc comme je viens de renvoyer son mari, c'est évident que là, d'un seul coup, elle se déchaîne. Et c'est vrai que je trouve que c'est une phrase formidable, parce qu'on me voit sur le pas de la porte dans l'usine avec ma fille, comme ça, qui me serre la main au moment où elle me dit ça. D'abord, je trouve que c'est un numéro, je veux dire, le numéro de Dominique Blanc dans cette scène est absolument formidable. Et c'est une phrase, oui, c'est une phrase qu'on ne peut pas oublier, ça. Oui. Ça, et quand Vincent Pérez, Jean-Baptiste, dans le film, me dit, vous êtes, finalement, vous êtes comme tout le monde, vous prenez vos armes, vous les aimez, vous les saignez, et après vous les jetez, c'est où je le gifle. C'est des choses terribles, parce que c'est des choses qui font allusion à la possession et au côté prohibitif et excessif, je veux dire, des rapports que l'on peut avoir avec la nature et avec les gens, on les prend, on les jette. Alors c'est vrai qu'on peut être beau physiquement, ça c'est vrai qu'on peut être beau physiquement et ne pas avoir de beauté avec un grand B, un B majuscule, c'est vrai, oui. Et dans le film, c'est évident que bon, elle essaye de trouver la phrase la plus méchante qu'elle puisse lui dire pour lui faire de la peine. Oui, oui. On sent qu'Eliane se referme un peu, mais qu'elle s'en fiche un peu de ce que pense cette personne sur elle. Il n'empêche que c'est assez... Votre ami qui vous aime, et puis ça se sent dans la lettre volée qu'il vous a consacrée, Gérard Depardieu, dit à un moment, toujours sur le même sujet, « C'est une vraie discipline d'être belle, il faut beaucoup de rigueur, de vigilance, c'est un équilibre précaire. » En parlant de vous, hein. Oui, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Mais en même temps, on ne peut pas non plus, on ne peut pas être sans arrêt sur son 31. On ne peut pas sans arrêt, je veux dire, être quand même en train de faire attention. Il n'empêche que la beauté, c'est vrai que c'est une chose qui s'entretient, c'est une chose qui, des fois, demande des efforts. La beauté, c'est une chose fragile, c'est vrai que c'est une chose éphémère, il a raison. Donc c'est une chose précaire, c'est une chose qui demande à être entretenue. Et parce qu'en plus, c'est vrai qu'au cinéma, si ce n'est la beauté, il y a quand même un côté physique très, très évident, enfin plus évident pour certaines actrices que pour d'autres, et particulièrement pour moi. Donc c'est vrai que ce n'est pas vraiment des efforts, mais enfin disons que dans la vie courante, c'est évident que de temps en temps, j'aurais envie d'être... En jean, sans maquillage. Ah non, pour moi, le jean n'est pas du tout, du tout, du tout le signe du confort absolu, d'abord parce que je trouve que le jean est commode pour faire des choses, des gros travaux physiques, mais ce n'est pas du tout une tenue confortable. Contrairement à ce que l'on pense. C'est confortable pour les hommes, mais ce n'est pas confortable pour les femmes. C'est un signe de reconnaissance pour les gens, mais pour moi, ça n'en est pas un. On va parler d'Eliane, parce qu'Eliane, c'est l'héroïne d'Indochine. Oui. Indochine, ça se passe donc au Vietnam, dans les années 30. En Indochine. Et en Indochine. Mot qui n'existait pas, qui a d'ailleurs été inventé par les Français, pour parler de cette région très particulière, parce qu'on disait terre indochinoise, mais ils ont appelé ça Indochine. Ce sont les Français colons qui ont donc créé les plantations d'EVA. Je fais partie de cette... génération. Je suis née là-bas, je vis là-bas. Chef d'entreprise. J'ai une usine, chef d'entreprise d'une usine qui exploite donc les EVA et qui fait du caoutchouc. Mais je ne fais pas partie de la communauté française. Eliane est une femme qui vit dans une des plus grandes propriétés là-bas, c'est-à-dire c'est une propriété de plusieurs milliers d'hectares. Elle est dans son domaine, elle vit avec son père qui avant s'occupait de la propriété. Elle ne s'est jamais mariée. C'est une femme qui a quand même une fêlure, on sent, par rapport à sa vie personnelle. Elle a adopté la fille de ses amis au début du film, c'est ce que l'on voit à l'enterrement de ses amis qui sont morts. Elle adopte la petite fille qui est vietnamienne, une petite indochinoise, princesse.
Et puis elle va l'élever, elle va l'aimer, elle va aimer un homme, elle va le rencontrer, elle va le perdre. Un bel officier de marine. Un bel officier de marine qui est joué par Vincent Pérez. Et puis elle va avoir des conflits avec sa fille, et puis il va y avoir des drames, et puis il va y avoir une disparition, un départ, des retrouvailles. Mais je vous dis tout, mais je vous dis rien quand je dis ça. Oui, oui. C'est un film romanesque, c'est un film qui dure 2h40, c'est un film où on va voir toute l'Indochine de cette époque, c'est un film où on va voir des gens bouger, voyager, des paysages incroyables. Moi, j'ai eu un choc incroyable en voyant, découvrant le Vietnam, qui était pour moi plus un pays avec des images de guerre, des images comme américaines. Et ça a été un grand choc de découvrir le Vietnam, qui est un pays absolument magnifique. Hanoï, qui est une très très belle ville, une ville d'eau, une ville très très européenne, très magique. L'architecture très particulière. Oui, beaucoup beaucoup de choses encore qui datent. On va en parler d'Hanoï plus tard. Moi, ce qui m'a quand même frappé en voyant ce film, qui a été écrit par Régis Varnier, Éric Orsenna et Louis Gardel, et vraiment avec en tête Catherine Deneuve. Alors, c'est comme ce film, on faisait, comment dirais-je, une synthèse un peu de tout ce que vous avez fait comme personnage au cinéma, parce qu'il y a à peu près toutes les gammes de jeux que l'on retrouve. Vous ne pensez pas? Mais je pense qu'Eliane est la synthèse. Comme Régis Varnier voulait tourner avec moi et qu'il a envie de tourner avec moi, je pense que c'est beaucoup aussi par rapport à des films qu'il a aimés. Il connaît tous mes films, il m'a vu dans tout, donc tout était digéré pour lui. Et je crois que lui, Éric Orsenna, Catherine Cohen, Gardel, ils se sont mis ensemble, ils ont concocté, c'est vrai, quelque chose qui était quand même, quelque chose qui était assez... c'est une femme très symbolique, Eliane, quand même. Elle représente à la fois la mère, la France, la femme, c'est un personnage très... Oui, c'est une... C'est une femme symbolique. C'est un personnage secret aussi, dont on sent qu'il y a des secrets. Il y a des fêlures, il y a des déchirures intérieures. Et puis, c'est une femme qui va être déchirée, car le film se passe quand même à un moment très important. C'est au tournant de la grande époque des Français. C'est le moment où quand même les Indochinois vont se relever quand même et commencer à manifester le refus de la colonisation. Donc, c'est vraiment le tournant juste avant l'installation et le début, disons, de la naissance du Vietnam. Je crois que la première scène que vous avez tournée du film, c'est la rencontre au bagne de Poulot au Condor avec votre fille adoptive, qui a été incarcérée pour des raisons. Oui, alors là, justement, on ne raconte pas. On ne va pas le dire. Ça, si vous ne voulez pas qu'on raconte vraiment quelque chose. Mais ce sont des retrouvailles après 5 ans d'absence, oui. Il s'est passé quelque chose, là, sur cette scène. C'était la première. Ah oui, j'étais très inquiète parce que c'était mon premier jour de tournage et que c'était une des scènes quand même les plus difficiles. Je n'avais jamais tourné avec... Lindan, qui est la jeune fille vietnamienne qui joue ma fille Camille dans le film. Il y avait un plan très long sur elle, que moi j'ai essayé d'animer parce que finalement on a décidé de tourner à 2 caméras. Parce que comme c'était une scène assez difficile, une caméra sur elle, une caméra sur moi. Et c'est vrai que la scène n'a pas du tout été improvisée, mais disons qu'elle s'est trouvée prolongée dans sa longueur parce qu'il fallait que Lindan arrive à monter comme ça quelque chose. Comme ce n'était pas une actrice professionnelle, il fallait qu'elle pleure. Et donc, c'est vrai qu'à cause de la durée, on a tourné 2 magasins entiers, et puis on a fait 2 plans, et puis c'est tout. Ça a été un moment très, très fort, comme ça, de tournage. Alors, l'approche de vos personnages, je crois que vous dites que vous faites une approche périphérique, en resserrant... Oui, je tourne autour de ma proie, toujours. C'est-à-dire que les personnages, disons, les personnages à travers les films... C'est la technique j'essaye de ne pas jouer requin, la scène. Ça. Comment ? C'est la technique du requin qui tourne. Ah, je préférerais que vous me disiez celle du dauphin, parce que le requin est un animal qui m'impressionne beaucoup. Et je ne sais pas si les dauphins agissent comme ça, ceci dit. Oui. Enfin, c'est une technique, en tous les cas, qui n'en est pas une. Pour moi, c'est mon fonctionnement. Je ne peux pas aller comme ça, droit vers quelque chose, et dire, bon, je me plonge, voilà le personnage, voilà. C'est ma façon de je rôde autour des choses. C'est la technique des loups, aussi, on peut dire. Rôder autour du personnage, pour essayer d'approcher le personnage d'une façon, par le biais, par les côtés, pour ne pas jouer les scènes, pour jouer les situations, pour jouer les personnages dans leur ensemble. En oubliant que vous connaissez le scénario. En oubliant que je connais le scénario. C'est vrai que je préfère toujours relire les scènes d'avant que de me concentrer sur la scène que l'on va tourner. J'aime garder cette idée de continuité, de toujours garder le souvenir, ou en tous les cas l'image de ce qui s'est passé avant, ce que l'on est dans la réalité d'avant. Vous dites aussi, quand je tourne, je ne dors que d'un œil. Enfin, oui, parce que quand je ne tourne pas, je somnole beaucoup. Comme je suis comme une pile qui s'use assez vite, et qui a des batteries qui se rechargent heureusement aussi assez vite, je somnole beaucoup quand je ne tourne pas. Je suis incapable de lire, de me concentrer ou de me consacrer à autre chose. Je peux regarder, mais je suis dans un état de tension et de fatigue permanente, oui. Mais vous avez une formidable faculté de concentration aussi. J'espère. Et vous êtes pour les premières prises, vous n'aimez pas trop le répétitif ?
Je sais que je suis meilleure dans les premières prises, donc je demande toujours si c'est compliqué techniquement et si les metteurs en scène ont besoin de faire des choses, de se rassurer. Je demande toujours à ce qu'on répète le plus possible et qu'on tourne le moins de prises possible. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes aussi une plaque très réceptive parce que vous dites à un moment donné, il y a une scène magnifique dans la plantation d'Eva, où vous avez ressenti tellement la présence de la nature, ces oui, hommes, les... j'allais presque dire les mineurs, parce qu'ils ont leurs lampes, on a l'impression que c'est des mineurs. Oui, hein. Les coulis ont les petites lampes, parce que la saignée des Eva se fait très très tôt le matin, donc ils ont des petites lampes pour les éclairer, parce qu'il y a beaucoup de brouillard, c'est la brume, ça se passe presque dans une espèce de pénombre, qui ressemble à une lumière comme ça, nordique, des forêts entières, avec, comme les Eva sont très serrés, ils retiennent complètement la brume et l'humidité du sol. Et ça se passe très tôt le matin. Alors ils ont ces petites lampes accrochées sur le fond qui leur permettent de faire les saignées dans les arbres et de recueillir les coupelles de caoutchouc. Mais c'est vrai que c'est une telle, c'est un tel pouvoir, c'est tellement évocateur, c'est un lieu, sont des lieux tellement magiques qu'on est, c'est évidemment plus facile de se sentir bien dans un endroit comme ça que dans des décors plus anonymes, oui. Bon, je sais que vous êtes très sensible à la vision des roches parce que vous dites c'est pour me voir, oui, mais surtout pour faire connaissance d'une façon secrète un peu de tout le monde et notamment de absolument, la technique. Ça c'est vrai, oui, et de mes partenaires aussi que je ne connais pas toujours. Il y a les acteurs ou les actrices que je ne connais pas assez. Et c'est vrai que les rushs, ce n'est pas seulement se voir, c'est voir plusieurs fois les mêmes prises. Donc on voit mieux les défauts, on voit mieux les problèmes ou les fragilités, les faiblesses des gens ou leurs qualités au contraire. Et on peut donc, c'est l'idée qu'on peut modifier et l'idée étant de toujours pouvoir améliorer jusqu'au dernier moment, jusqu'à la fin du tournage. Alors Ediane est forte, on l'a dit tout à l'heure, on sent qu'il y a des pulsions intérieures. C'est le début de pas mal de choses qui vont se passer. Les oui, c'est scènes. Une deuxième rencontre un peu particulière. La première scène de rencontre se passe dans une salle des ventes. Oui. Elle est à la fois très intime, très violente et très presque indécente. Elle trouve ce jeune homme extrêmement passionnel, dérangeant, mais en même temps c'est très étrange. Et la deuxième scène de notre rencontre dans les EVA, c'est pareil, il lui fait part donc de ses... Elle se retourne, il a ce saignement de nez et il lui dit « je retombe en enfance ». Donc c'est vrai que ce sont deux scènes de rencontre très spéciales qui vont faire que d'un seul coup, il y a un contact physique entre eux, très éphémère, mais quelque chose de très violent qui va déclencher une envie des deux côtés très, très forte et une passion, passion très... Oui, oui, violente. Une passion très violente, oui, entre deux. Alors, il faut quand même regarder quelques séquences de cette baie d'Along, parce que moi, ça m'a fait complètement rêver. Je ne vous cache pas que j'ai envie d'y aller là, à tout prix. Moi qui l'ai vécu et qui ai été, ça me fait encore rêver. Oui. Ah, oui, c'est d'une beauté à couper le souffle. Ah oui, à couper le souffle, vraiment. Alors, il n'y a pas eu que le film, il y a la rencontre entre Catherine Deneuve et le Vietnam. Alors, comment on peut le dire? Je crois qu'on peut qualifier, résumer en disant un choc, une révélation. Et en fait, ça a été pour vous, en fait, une manière de laver toutes les pollutions que l'on peut avoir en étant confronté à un autre monde. Ce n'est pas tellement la pollution, c'est le fait qu'on ne sente pas de pollution sur le plan, disons, de la nature là-bas, puisque c'est un pays les gens ont une vie quand même très, très dure. C'est un pays qui est encore assez fermé, pas très développé sur le plan des industries et du transport. Donc, c'est vrai que c'est une vie quand même assez, assez difficile, une nature encore très belle qui n'a pas été abîmée, pas encore. J'espère qu'elle restera, surtout la baie d'Along, encore longtemps, un endroit où on ne verra que des bateaux sans moteur, avec ces grandes voiles qui ressemblent à des papillons. Mais c'est aussi c'est une révélation comme un pays véritablement sur lequel on a très peu d'images. Les Vietnamiens, on a une image d'eux très, très relative. C'est soit les colons avant la guerre et cette image donc de l'Indochine, soit des images voilà, de boat people, de gens qui se réfugient, soit des images de gens... Et c'est un peuple qui est très beau, qui est très courageux, qui se baisse rarement. Et s'il se baisse, c'est parce qu'il faut se cacher, mais qui se relève tout le temps. Et ça a été, la révélation, ça a été plutôt, c'est ça, c'est de découvrir un pays, de découvrir surtout un peuple à travers un pays. Vous vous êtes promené beaucoup dans les rues de Hanoï, avec un sentiment formidable de liberté, car là, on était à vous sauter dessus, autographe, madame, etc. C'est-à-dire que c'était vraiment, c'était un pays où je me sentais comme en Chine, d'ailleurs, vraiment comme une touriste. Mais c'est vrai que le choc des Vietnamiens a été encore plus fort parce que en Chine, il y a déjà quand même la télévision, les Américains. Enfin, c'est déjà un pays qui appartient déjà à d'autres pays, en tous les cas, sur le plan des développements et des communications et des échanges. De ce qu'on appelle le commerce extérieur, ce qui n'est pas encore le cas de l'Indochine. Mais le peuple vietnamien est un peuple très... Ce sont des gens assez, assez croyants, heureusement pour eux d'ailleurs. Et c'est un peuple très spirituel. Ces balades ont permis de nourrir votre personnage d'Eliane. Ah oui.
Oui, le fait de tourner longtemps dans le Nord et de rester à Hanoï si longtemps et de ne pas tourner tous les jours, donc de me promener beaucoup, ça m'a permis de m'imprégner énormément de la ville et de la réalité, de ce que c'est d'être une femme blanche comme ça au milieu de ces Indochinois. Oui, puis il y a le moment, il n'y a pas de crépuscule dans ces pays où tout à coup la nuit arrive brusquement. Et là, il y a plein de choses. Alors là, il y a plein de petites lumières qui s'allument, c'est extraordinaire. Mais celles qui s'allument à l'intérieur de vous m'intéressent. Ah oui? En étant seul. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on apprend à vivre différemment. C'est un peu quand même. Si vous voulez, nous, on était très, très protégés et très aidés, donc on avait des conditions quand même de confort assez grandes par rapport à ce qu'on m'avait décrit. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, je sais que même au niveau des choses usuelles, on fait attention à ne pas utiliser trop d'eau, on fait attention à ne pas utiliser trop d'électricité, on ne trouve pas des ampoules très fortes. Dans la rue, il n'y a que des petites échoppes qui s'allument avec des petites lampes à pétrole minuscules. Il y a quelque chose de très... On ne voit jamais un papier qui traîne dans la ville. C'est une ville qui n'est pas propre au sens où on l'entend nous, comme la Californie, mais c'est une ville qui n'est pas sale, ou en tout cas rien ne traîne, parce que tout est utilisé, réutilisé, recyclé. Tout doit servir et tout sert. Oui. Et ça m'a beaucoup frappé. Mais face à face, on se retrouve. Quand je disais seul, c'est relatif. J'ai compris, vous voulez dire face à face avec. On se retrouve seul dans un pays. Oui. On se retrouve, j'imagine que ça doit être un peu comme dans le désert. Oui. On se retrouve seul avec soi-même dans une chambre d'hôtel où il n'y a pas la télévision, où il n'y a pas le téléphone. Tout l'environnement habituel. Il n'y a pas l'environnement, il y a la moustiquaire, des livres, les compacts disques. Heureusement, j'avais emmené une petite chaîne. Donc ça, c'était très important d'avoir de la musique. Et puis des lectures, et puis des gens avec qui on s'entend très bien pour travailler. Vous aviez pris vos grosses valises, dont parle Gérard Depardieu dans... Des mâles, des valises, des mâles. Parce qu'il a un très beau passage, il dit « Tu traînes avec toi deux énormes valises chargées de fantasmes, alors que tu vis des choses simples, très peu éthiques, tu as su protéger ta vie privée, tes enfants. Certains pensent que tu es froide, tu es simplement directe, franche, sans ambiguïté, on te croit sereine, organisée. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi désordonné, fantaisiste avec l'argent et ses affaires. » Voyez-vous ça? Ah oui, ça c'est vrai que j'ai une image qui est beaucoup plus posée, harmonieuse et calme et classique que je ne suis. C'est vrai que je ne suis pas très organisée. Dans la vie, ce n'est pas possible. Quand on a des enfants et qu'on travaille et qu'on essaye de faire en sorte que les choses se fassent plus ou moins harmonieusement, on est obligé de mélanger les gens. Quant aux affaires, je ne suis pas douée pour les affaires. Et quant à l'argent, c'est vrai que je suis dépensière. Et quant aux valises de fantasmes, j'espère que je les garderai longtemps, oui. Bon. Et dernière citation de Gérard. « Tu peux rester debout, il parle des tournages, tu peux rester debout des heures, sans un mot, sous un soleil de feu ou dans un froid de canard. Tu peux faire la fête, boire comme un hussard, voyez-vous ça, et être prête au combat le lendemain. » Vous arrivez comme ça, paf, allez hop, là, Java. Oui. En extérieur, c'est normal, on a besoin de casser des moments comme ça de tension. Et quand on reste coupé comme ça d'un monde dans lequel on est habitué à vivre, son milieu familial, c'est vrai qu'on a besoin, non pas d'exploser, mais on a besoin de casser des choses, on a besoin de sortir des films. Et c'est vrai qu'il nous est arrivé souvent en extérieur le samedi soir de partir comme ça sans savoir ce que l'on va faire. Ce n'est pas l'idée qu'on va faire la fête, c'est l'idée qu'on casse comme ça. Moi, on m'a dit des partenaires, parce que vous êtes une meneuse de bande. Il y a un musée dans un coin, il faut aller le voir. Vous dynamisez, il paraît. Oui, c'est vrai, parce que souvent les hommes sont beaucoup plus déconcertés et déroutés par les tournages. Ils sont beaucoup plus perdus sans leur famille et surtout sans leurs épouses, je crois. Ils sont le soir, c'est... Donc c'est vrai que si j'aime bien mes partenaires, j'ai envie qu'ils soient bien et de m'occuper d'eux. C'est-à-dire, je propose facilement, oui, de dîner ensemble ou d'aller voir des choses. Oui. J'ai toujours envie de découvrir, quand je suis en extérieur, les vieux quartiers. Ensuite, éventuellement les musées, mais ce n'est pas les musées en premier. C'est les vieux quartiers, les bars, les vieux restaurants. Après, les musées, oui. Mais souvent, les vieux quartiers d'abord. Michel Mansoy a fait une interview de vous en presse écrite dans Marie Claire. Je cite cette consoeur parce que je trouve l'interview excellente. Je pense qu'elle n'a pas trahi votre pensée. Ça me permet, moi, d'arriver par la bande à un petit éclairage personnel, car Dieu sait qu'il faut y aller pas de patte. Vous lui dites, moi, j'aime, c'est un homme, ce que j'aime surtout, c'est le mystère. C'est une forme de séduction et la bonté plus que l'intelligence. Oui, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez à quel point... on ne le dit pas assez. Je ne sais pas si on le souhaite autant que ça, mais moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui, avec le temps, c'est une chose qui a toujours eu de l'importance, parce que je crois que mes parents sont des gens bons, que c'est quelque chose qui compte pour moi. Et comme souvent, on associe la bonté à une forme de niaiserie ou en tous les cas de manque d'intelligence ou d'acuité, comme ça. C'est vrai que j'insiste souvent maintenant à dire que la bonté compte, l'intelligence compte énormément, bien évidemment.
Oui. Mais la bonté est une qualité à laquelle j'attache beaucoup d'importance chez les êtres humains. Pas seulement chez les hommes. Hein. Parce que ce que je dis sur les hommes, je peux le dire sur les femmes aussi. Le mystère, la bonté et la séduction, oui, je recherche ça chez les femmes aussi, dans les rapports amicaux. Oui. Mais dites-moi, elle vous en a fait dire des choses, Michel Manceau, parce que vous dites « rien n'est plus beau que d'être aliéné par l'amour et la passion ». Ah oui, je pense que vraiment c'est quand même plus intéressant que la carrière ou qu'en tous les cas, disons, des plans d'ambition, de réussite sociale. Oui, ça, je trouve que l'amour, c'est quand même quelque chose auquel on a le droit de se donner sans réserve. Oui. Même si l'addition est lourde, quelquefois. Qu'est-ce que c'est l'addition lourde? Moi, je ne fais pas de compte. Hein. Déjà, je ne fais pas de compte dans la vie, alors encore moins en amour. Et vous dites, bah oui, une passion uniquement sexuelle, c'est Manceau qui vous pose la question. Ah non, non, vous non, dites, c'est elle terrible. Qui en parle, attention, c'est elle qui en parle. Et vous dites, c'est terrible parle, et magnifique. Ce n'est pas une déclaration, c'est une réponse. Vous dites, c'est une grande différence quand même. Oui. Ce n'est pas une déclaration que j'ai faite, je réponds à sa question. On parlait du film d'Annie Ernaux, oui. Qui est Passion simple, oui. Et qui est un livre qui a choqué beaucoup de gens parce que c'est une passion et c'est l'histoire d'une passion purement physique. Et oui, et pourquoi pas, oui. Vous dites, c'est terrible et magnifique. Ben absolument, c'est terrible et magnifique. Parce que c'est terrible, parce que malheureusement, ça a une fin. Qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus rapide dans le temps qu'une vraie passion amoureuse avec les sentiments, éventuellement de respect, de l'intelligence, de complicité. Mais en même temps, c'est magnifique parce que beaucoup de gens n'ont pas la chance de vivre ça dans une vie. La passion physique est, une découverte importante. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des grandes histoires d'amour, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vécu des grandes histoires de passion physique. Oui, c'est quelque chose d'important. Nous sommes quand même des animaux privilégiés, des animaux supérieurs, mais quand même... des animaux, et c'est un sens, la sexualité, qui a une chose très importante, je trouve, dans la vie, oui. Vous savez que vous parlez très très bien de ces choses-là. Ah bon? Oui. Mais j'en parle pas souvent, tant mieux. Oui, c'est vrai. Autre chapitre important et bref, mais important. Vous êtes une militante parce que vous vous êtes battue... Pas vraiment. Ah, vous vous êtes battue quand même pour le pas droit à l'avortement. Pas vraiment battue. Vous avez... Des causes sociales, uniquement des choses sociales. Oui, le droit à l'avortement. Oui, ça c'est vrai, bah oui. Bon. Et puis, vous avez aussi, je ne sais plus quel terme employer, engagé... Des convictions de convictions. Femmes. Des convictions les folles de femmes mai, par femmes. Exemple. Les folles de mai étaient ces femmes qui tournaient autour du palais à Buenos Aires. Ah oui, ça c'est vrai. Parce ça, j'ai fait la démarche d'aller à l'ambassade avec, il y a très longtemps. L'ambassade d'Argentine, pendant la dictature militaire. Absolument, oui. On voit un extrait de ces femmes qui tournaient inlassablement à la recherche des êtres disparus. Je trouve ça terrible, c'est évident, les guerres et les dictatures sont toujours épouvantables, mais c'est vrai que l'image de ces femmes, et de voir des femmes comme ça, et des mères surtout, qui ne renoncent pas, et cette idée des femmes qui ne renoncent jamais à vouloir savoir la vérité, c'est à la fois terrible et terriblement douloureux, donc c'est vrai que ça marque davantage quand on voit des images de guerre avec des hommes qui vont à la guerre et on voit des cadavres et on sait que c'est ça. Là, ce qui est terrible, c'est de ne pas savoir, de savoir que c'est des disparitions, des gens qui ne sauront jamais. Je crois que c'est comme d'avoir perdu quelqu'un et de ne pas savoir où est sa tombe. C'est dans la tête, c'est psychologique, mais c'est l'idée de ne pas savoir où on peut se recueillir sur l'idée et l'image de quelqu'un qu'on a aimé. Vous avez participé, comme beaucoup d'autres acteurs, actrices et metteurs en scène, à la grande campagne d'Amnesty International pour dénoncer les tortures, les disparitions, les assassinats. Un film contre l'oubli. Un film contre l'oubli, qui est une cassette que nous avons d'ailleurs présentée précédemment dans une émission. Et vous avez tourné avec Chantal Akerman, et il s'agit là de quelqu'un qui a été assassiné, qui s'appelle Elisabeth Velasquez, qui était syndicaliste San Salvador et qui a été assassinée. Ils t'ont supprimé, mais pas de notre mémoire. Ils t'ont supprimé avec nos fautes. Et il y en a d'autres encore et d'autres. Tortures, cris, pleurs, familles séparées. Assez, assez. Ruines, poussière, cendres et sang. Assez. Ils t'ont supprimé. Ils t'ont supprimé, mais pas de notre mémoire. Mais pas de notre mémoire. Ils t'ont supprimé avec 9 autres comme toi. 9 autres. Il y en aura d'autres comme toi, ou différemment, qui reprendront ta pensée et oseront être un être, faible Elisabeth Velasquez de San Salvador, et oseront être un être. Faible Elisabeth Velasquez, au sourire clair et courageux, clair et contagieux, ta bouche s'est tue, tes yeux se sont fermés, tu reposes déjà. Toi, faible Elisabeth Velasquez de San Salvador, ton visage, ton courage et ton nom, nous le garderons. Nous le garderons, ton sourire, ils n'ont pu l'effacer. Il est là en moi, pour toujours.
pour toujours, en moi pour toujours. Catherine, le monde actuel, finalement, hein, ça donne pas tellement envie de gazouiller, je crois que ça, c'est votre expression, c'est pas... Hein? Oh, ça m'arrive de gazouiller, heureusement. Oui. Ah oui, oui, heureusement que je gazouille, c'est comme le printemps, quand j'entends les photos, je dis, ah, ça y est. Non, non, il faut gazouiller, absolument. Le monde actuel, on est de plus en plus nombreux, il y a de moins en moins de place pour tout le monde, je vais pas vous dire des choses qui sont vraiment des choses évidentes, et je voudrais éviter qu'on dise des lieux communs, on a dit des choses si particulières, soit des choses si particulières. Disons qu'il n'y a pas tellement de raisons de se réjouir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire vraiment ce qu'on a envie de faire avec beaucoup de passion et le mieux possible parce que tout le reste autour est très très austère et très hostile quand même. On est dans un monde assez hostile. Je peux m'adresser à la mère de famille. On va voir. Qu'est-ce que vous allez lui demander ? Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes comme idéal ? Bon, des générations ont eu des idéologies qui se sont écroulées. Il y a eu la spiritualité qui, ma foi, a été flottante. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants comme idéal de vie ? Quel but ? Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose assez crue. Je ne vais pas parler d'idéal de vie. Je dis surtout aux adolescents et aux miens aussi qu'aujourd'hui, je leur dis surtout qu'il faut faire très attention, qu'on n'a plus le droit de s'aimer avec liberté, sans prendre des précautions. Et que c'est vraiment la chose sur laquelle j'essaye d'insister le plus quand je vois des gens jeunes. Parce que quand on est jeune, on est insouciant, c'est vrai. Et c'est de prendre des précautions amoureuses parce que c'est vraiment... plus qu'un idéal, c'est une question aujourd'hui de survie et que tant qu'on n'aura pas trouvé un médicament, un vaccin contre le sida, je pense qu'aux jeunes gens, il faut leur dire et leur redire surtout qu'il ne faut pas être gêné, qu'il faut surtout prendre des précautions en amour. C'est du préventif, mais pour rêver. Eh bien, on rêvera, il faut rêver après, c'est-à-dire il ne faut surtout pas rêver avant et il faut rêver à une vie future et il faut rêver surtout à se sentir solidaire des autres, et je pense qu'il y a malheureusement peu d'occasions de rêver. Moi, je suis contente parce que mes enfants lisent, donc je pense que dans la lecture, ils peuvent rêver, mais je pense que dans la vie réelle de tous les jours, est-ce qu'ils voient ? Ils voient trop de choses, et moi-même, je l'ai vu autour de moi, il y a trop de choses difficiles et douloureuses. Aujourd'hui, je trouve qu'on a un petit peu moins le droit de rêver, parce qu'on n'a pas le temps de rêver en ce moment. Il faut rêver un peu parce que c'est indispensable pour vivre. Si on ne rêve pas, on meurt de toute façon. Mais il ne faut surtout pas rêver quand on est réveillé. Il faut rêver la nuit, il faut rêver le soir, quand on lit. Mais il ne faut surtout pas rêver le jour en ce moment. Vous aimeriez avoir 20 ans en 1992 ? Ben là, franchement, actuellement, avec ce qui se passe, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'avoir 20 ans. De ne pas pouvoir avoir de liberté au sens où je l'entends, où on l'entend aujourd'hui, où les jeunes l'avaient. C'est-à-dire qu'on leur a donné une liberté merveilleuse avec, justement, la prévention... et surtout avec la possibilité de prendre la pilule pour les jeunes filles, qui a quand même modifié énormément les rapports amoureux chez les êtres jeunes. Je trouve qu'aujourd'hui, de ne plus avoir cette liberté et d'en être partiellement privé, je trouve ça terrible, parce que ça éloigne les gens, ça rend les jeunes assez méfiants, ça les rend prudents d'une façon qui, malheureusement, va vers la défiance. Et ça, je trouve ça assez triste. Vous tenez toujours à éviter l'âge de raison ? Oui, à partir du moment où j'estime que je suis quand même assez raisonnable, l'âge de raison et tout le tintouin qui suit, ça ne m'intéresse pas trop, non ? Vous savez que je suis de moins en moins persuadé que vous êtes aussi raisonnable que le BCBG de l'image de... Ah non, je ne suis pas bon chic, bon genre, mais je suis raisonnable, vous voyez, par exemple, parce que je suis capable de vous dire une chose comme ça, et qui ne me concerne, moi, pas vraiment directement, qui concerne plus les jeunes. Donc, je suis assez raisonnable pour me rendre compte des dangers qui... plane sur pas seulement les gens qui me concernent et mon entourage direct, mais le pays dans lequel on vit. Mais c'est vrai que nous, on vit aussi dans un pays, en France, où il y a quand même une assez grande considération pour la société, quand même. On est un pays où on est quand même assez, je trouve, assez tourné vers les autres et vers de la solidarité. C'est un mot qui, pour moi, existe vraiment. Ça, ça compte beaucoup. Ah, la solidarité, oui, ça compte. Oui. Catherine, nous arrivons au terme de cet entretien que j'aurais bien prolongé, mais bon, il y a une fin à tout. Je voudrais signaler le alors ça, c'est adapté du scénario. Hein, oui, c'est le roman qui a été écrit d'après le scénario. C'est ce qu'on appelle une novélisation. C'est le roman qui a été écrit d'après le scénario de Régis Varnier, des auteurs du film Gardel. Qui est édité chez Payard. Oui. Et puis il y a un superbe album, alors ce sont les photos du film, des photos magnifiques. Nous avons évoqué tout au long de cette discussion le Vietnam. Alors il y a bien entendu des différentes photos. C'est vraiment superbe, superbe. Donc Catherine, nous arrivons au terme de cette édition qui vous était consacrée. Alors, si vous le voulez bien, nous allons nous quitter avec quelqu'un qu'on aime bien, que vous aimez bien. C'est Serge Gainsbourg, qui, je pense, doit faire chanter le Gloria en reggae aux anges.
Et nous allons nous quitter avec une chanson qui s'intitule Le fumeur de Havane. Vous la chantez en duo avec Serge Gainsbourg. Ah, dans le film de Claude Berry, Je vous aime. Merci encore pour cet entretien et j'espère que cette fois, on n'attendra pas 12 ans pour se revoir. Je n'ai pas mon carnet pour l'année prochaine, mais on se rappellera. Merci.